No, go ahead. One second. You show that. Yes, awesome. Mesdames et messieurs, chers et frères, chers amis, nous-mêmes qui dans la salle là, nous-mêmes qui sur YouTube, à Soya, nous saluons encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nouvelle que Jésus voyait en nous, c'est que lui-même. Amen. Quel que soit Jean nous y a, nous capables d'approcher à lui-même, lui ouvrir deux bras pour lui ban nous à collage pour lui montrer que nous aimons. Alors nous-mêmes à Soya, nous saluons. Nous aimons nous tous, même Jean-Jésus aimait nous aimons nous tous, et nous souhaitons que nous passions une bonne nuit, un bon moment avec le Seigneur Jésus. Pour nous débuter réunion à Soya, nous allons chanter numéro 60 avec Sœur Magali et Frère Paul Dudry. Amen. Oui, j'ai un chant que Christ m'a donné, c'est le chant de son amour. Tous mes péchés, il les a pardonnés, et je chanterai toujours. Dans mon cœur se trouve un chant joyeux, se trouve un chant joyeux. Venu du haut des cieux, dans mon cœur se trouve un chant joyeux, le chant joyeux de son amour. Oui. À continuer? Oui. Oui, j'aime Jésus pour sa bonté, mon sauveur si précieux. Ok, d'abord commencer. Dans mon cœur se trouve un chant joyeux, se trouve un chant joyeux, venu du haut des cieux. Dans mon cœur se trouve un chant joyeux, le chant joyeux de son amour. D'abord continuer avec le numéro 63A, que nous avons l'impression que tout le monde connaît, parce que le numéro 63, on va continuer avec le numéro 63A. Il y a un jour qui a fini. Vous êtes tous chanter ça? Amen. Il y a un jour qui a fini. Le sang, pas de chagrin, pas de nuages dans le ciel-là, ni couleur. Et moi, je savais.
J'ai donné ma vie, pour toi j'ai versé mon sang. Frères et sœurs, amis qui sont sur les ondes, écoutez nous, pas de personne qui t'a fait ça pour nous. Personne monde que seulement Jésus de Nazareth. On nous chante, on nous campe, on nous bat gloire. Numéro 63, pour toi j'ai donné ma vie. Okay. Pour toi j'ai donné ma vie. Sans voix, pour toi,
Papa nous qui en haut dans le ciel là. Seigneur, assoyez mes petits nous qui viennent devant vous pour venir par vous gloire, honneur que vous-même seul vous méritez. Papa, merci pour journée ça que vous permettez que nous passions bien, Seigneur. Nous sommes sortis, nous rentrer. Nous là, nous n'avons aucune mauvaise nouvelle, Seigneur. C'est grâce à vous-même. Ce n'est pas plus bon nous vivons que l'autre, mais c'est parce que vous faites nous grâce. Seigneur, mes petits nous encore assoyez à souligner de ces maris qui viennent chercher présence. Nous demandons au Seigneur la présence du Saint-Esprit avec nous dans tout ça qu'on a fait, que vous êtes capable de prendre devant pour nous, Seigneur. Bénis les gens qui sont venus et ça qui n'est pas venu, Seigneur, qui n'a pas eu. Bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions. Aidez-nous dans la vie spirituelle, Seigneur. Permettez que nous soyons capables de quimber pour nous marcher jusqu'à ce que Jésus, notre consolateur, soit capable de venir, Seigneur. Nous prions en qualité de monde qui dit, nous n'avons pas de mérite, mais c'est le nom de Jésus petit tout. À lui-même seul, la gloire, l'honneur, la magnificence, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Avant que nous soyons deuxième nuit dans la semaine, ces dernières semaines, nous pas bien après semaine ça, nous apprenons pause. Nous souhaitons que nous-mêmes qui sommes sur YouTube là, nous-mêmes qui sommes dans la salle là, nous exalter, louer, magnifier le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Pas oublier, nous gagnons une forme de prière sur YouTube là. M'encouragez-nous à aller là-dedans. M'encouragez-nous à aller là-dedans pour que nous soyons capables d'inscrire dans nous si nous avons besoin de prier. Si nous n'avons pas besoin, si nous besoin prier, nous besoin aussi baptiser. Parce que nous dit 30 janvier à bien, y a une cérémonie de baptême. Y a une grande cérémonie de baptême, nous-mêmes qui attendons nous à soir. Écris nom, écris téléphone, écris adresse nous, pour que nous capables de contacter nous. Or, si nous pas checker forme non, nous capables tout, nous capables là dans, nous capables côté lié. Eh bien, moi, demandez-nous pour nous relever dans 786-277-5528 pour que nous soyons capables de planifier samedi pour cette cérémonie de baptême. Nous croyons que c'est le moment pour nous aller dans la louange, nous allons louer le Seigneur, nous allons exalter le Seigneur et tout de suite après la louange, nous allons faire une prière d'intercession. Et après prière d'intercession, on a bien chanté et après chanté. C'est pasteur Sidney Champagne qui va parler avec nous à ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Nous vivons un moment louange. Nous allons chanter le numéro 106. Faire droit, hommage. Le numéro 106. À nous, bon Dieu, gloire, frères et sœurs. Numéro 106, nous demandons. Vers toi, monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge. Qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Quelle espérance, la paix et la guérison.
Cantique à la gloire du Fils unique. Amen. À nous commencer. Entendons un saint cantique à la gloire du Fils unique. Fils éternel du Dieu d'être. Dans sa mort, dans sa souffrance. Nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange à vie, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire et roi à notre Sauveur sur la croix. Divine source de vie, que tout en nom de glorie. Et chantez la vie. De jour en jour se renouvelle sur le peuple de Sion. Louange, louange à pionner, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, au roi des rois. Tout nos cœurs te soient consacrés. Louange,
Sois notre Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire soit à toi, au roi des rois, à notre sauveur sur la gloire. Louange, 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 louange. Seigneur, alléluia, alléluia, gloire et sans foi, au roi des rois, à notre sauveur, c'est la gloire. Apprends ce chant créole. Amen. Amen. Ce chant créole que le peuple nous connaît. Dernier chanté, nous voulons chanter. Dans ce dernier numéro 61, monsieur que nous tous connaissons, elle a marché à Jésus. Elle a marché à Jésus. Elle a marché à Jésus, non lumière par lui. Ok, nous choisissons l'autre parce que nous ne pas trop le numéro ça. Ok. Numéro 123. Plutôt que Jésus, parce qu'il gagne l'argent. Moi, plutôt que Jésus, parce qu'il cherche tout le temps. Moi, plutôt que Jésus. Passez plus belle caille, puis ton guide moi dans tout bagaille. Moi, plutôt que Jésus, passez gain l'argent. Moi, plutôt pour lui, passez dans richesse. Ok? Vous pas connaître, pasteur? Ok, parce que on va connaître chanter ça. Ok. On va chanter communauté altérée. Communauté altérée dans numéro 73. Communauté altérée soupire après l'eau du ciel. Communauté altérée. Décision qui pour vous, nous allons prier pour vous,
nous souhaiter nous abandonner nous entre les mains de notre Seigneur Jésus. Ô toi qui donnes la vie, toi tes pieds je veux m'asseoir. Comme ça c'est Marie. Comme ça c'est Marie. À l'heure douce du soir. Comme ça c'est Marie. Comme ça c'est Marie. À l'heure douce du soir. À l'heure douce du soir. Notre Dieu, notre Père, Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu des cieux, Dieu qui gagne un ciel fixé sur nous toutes sur la terre. Père qui connaît le nous lever, le n'a dormi, le n'a marché, le n'a travail. Nous prosterner devant face où l'en moment ça pour nous crier à nous-mêmes. C'est vous-même qui dit, vini joignez-nous avec fardeau nous yo, et vous va prendre pour nous, et vous va prendre nous repos. Amen. En ce moment, Seigneur, nous-mêmes qui dans la salle là, et nous-mêmes qui sur YouTube, nous avons chanté, nous avons loué, nous avons exalté nous, parce que vous avez des yeux sur nous chaque jour, vous manifestez bonté envers nous chaque jour. Ou ben nous le pain quotidien chaque jour. Et que nous, toujours ouverts pour que nous confessions péché nous en tout temps. En ce moment, nous demandons au Seigneur pour fixer nos regard sur ça qui a souffri, sur ça qui est malade, sur ça qui est en difficulté, sur ça qui est infidèle. Sous ça aussi, chaque jour, on va parler avec eux, yo ma jambe prend conscience. Alors, assoyez, Seigneur, nous présentons tout dans l'église. Gethsemane, il y a un pile monde qui est malade, qui couchait sous cabane de l'hôpital. Gayen qui a de l'eau dans les yeux chaque jour. Gayen qui n'a pas qu'à manger. Gayen qui n'a pas qu'à travailler. Gagner petit yo a bay au problème. Gagner tout petit yo dans collège, yo ba les yeux sous lit, mais au seul bagage que nous connaît, ou sécuriser nous par des anges. Que 1000 tombent à nos côtés, que 10 000 à notre droite, nous pas jamais atteint parce que le Seigneur est avec nous. Les anges de Dieu, yo entouré nous pour aucun malheur pas arriver nous. Et nous disons merci et nous exaltons. Ce soir, nous prions pour ceux qui sont sur YouTube, qui suivent nous, pour les amis nous. Seigneur, il y a un qui voulait prendre décision, mais qui peut. Alors, nous demandons pour cet esprit toucher que nous et faire avancer de l'avant. Il y a tout qui pas qu'à travail, l'empérissage qui est en difficulté. Alors, Seigneur, porte. Travail, c'est pour vous. Nous demandons à ouvrir la porte de travail pour vous. Gagnez, Seigneur, qui fatigué, qui découragé, désespéré, globalement, jambes séchées dans les yeux. Assoyez, Seigneur, nous demandons sécher de l'eau dans les yeux. Oui, nous besoin. Oui, nous avons cherché. Oui, nous abandonnons entièrement entre tes mains. Nous demandons faire que nous appartient à nous-mêmes. Nous demandons faire nous bon première place dans la vie. Nous demandons aussi permettre que nous ayons une bonne relation ensemble avec nous-mêmes. Nous demandons au Saint-Esprit baptiser nous pour que nous soyons capables de reconnaître le péché et pour nous demander pardon. Nous demandons aussi, Seigneur, pour visiter nous pendant ce semaine-là. Nous parlons en pile. Pendant ce semaine ça, chaque soir, nous avons proclamé parole. Ce n'est pas bon nous bon, ce n'est pas juste nous juste, mais Seigneur, c'est parce que nous avons appelé nous à proclamer parole. Eh bien, nous demandons permettre que parole ça retombe dans le cœur fertile pour être capable d'accepter comme sauveur personnel.
Nous prions pour petit garçon, pasteur Champagne et sa famille. C'est lui-même qui a parlé avec nous pendant toute semaine et chaque jour. Nous connaissons qu'on dépose une main spéciale sur lui. Nous connaissons aussi que on a guéri de toute maladie. Nous connaissons qu'on a pris soin de madame et petit lui. Nous connaissons que le ministère, c'est travail parce que c'est choisi pour lui faire travail. Alors Seigneur, nous demandons dans toute l'église côté que l'a dirigé. Permettre que c'est non Jésus que vous entendez. Permettre que c'est parole Jésus que vous entendez. Et permettre que nous tous, ensemble, nous préparons pour nous rencontrer lorsque vous retournez. Faites-nous passer une bonne nuit. Encore une fois, parlez avec nous en soir. C'est comme ça que nous prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ton entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens-tu pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens-tu pencher sur mon âme, un moment, frère, avec ce moyen que nous pourrons attendre pour un pasteur Sidney Champagne. Mais avant ça, nous chanter ensemble, thème nous. Le chantem qui bienvenue à la maison. Oubliez, quel que soit côté où il y a, nous disons bienvenue à la caille papa. Nous chanter ensemble avec moi, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Dieu nous accueille aujourd'hui. C'est pour louer son Saint-Nom. Parce qu'il est notre Dieu. Bienvenue. Merci beaucoup, Sœur Paul. Merci beaucoup, Sœurs et Frères, amis visiteurs, ou même qui sont sur YouTube, qui regardent nous. Nous contents que vous là. Nous voulons remercier le musicien Noa Soya qui fait de son mieux. Bien que lui seul, lui courir venir quand même et puis lui arriver à l'heure pour le capable assister nous. Nous également voulons remercier le pasteur Robert Saint-Fort qui m'a une occasion pour nous capables parler avec l'Église dit dans le moment ça. Nous louons le nom de l'Éternel. Chaque fois que nous avons l'occasion pour nous parler avec le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que nous content. Amen. Chers amis, chers et frères, et nous voulons aussi souhaiter bienvenue à tout le monde qui est sur YouTube, le monde qui est sur Facebook, le monde qui est sur ligne de prière. Nous disons que nous sommes contents que vous là, nous sommes contents que, encore une fois, vous branchez pour capable d'entendre nous.
Hier soir, nous t'ai parlé de un sujet qui était les signes des temps. Nous t'ai attiré attention sur un pile prophétie qui a accompli bruit de guerre, royaume contre royaume. Nous t'ai parlé de famine, nous t'ai parlé de maladie, nous t'ai parlé de tremblement de terre, nous t'ai parlé de incendie. Nous t'ai parlé autour de monde qui eh bien pas gagné aucun respect pour la vie, pour la dilatation, nous devons être bien en créole pour qu'on comprenne. Et Mountou qui, côté l'État, est bien d'accord pour qu'on ait une licence pour garçon marié avec garçon, fille mariée avec fille, et Mountou qui capable aussi et bien adopter Timoun pour élever Timoun. Nous devons attirer attention tout sur le fait que en dedans l'Église, tout comme dehors, et bien le divorce a multiplié. C'est ça auquel tu as parlé hier soir. Et bien, nous t'ai dit ou comme ça que, bien, malgré tout, bon Dieu a conduit le peuple hier, parce que bon moment qu'a prouvé, quand il va dire bienvenue à la maison. Assoya, nous retourner avec l'autre sujet. Et sujet par nous pour Assoya, et bien, c'est sur le retour de Jésus. C'est sur le retour de Jésus. Avant de montrer le message, nous, numéro un, nous voulons dire ou peut-être qu'on a besoin de papier à plume pour qu'on prenne note, s'il vous plaît. Et deuxièmement, nous voulons inviter pour qu'on mette tout pour nous prier ensemble. Notre Père des cieux, Jésus, encore une fois, nous te remercions pour cette grande opportunité, bénie que tu nous accordes de pouvoir parler en ton nom. Ce soir, nous sommes venus pour partager le pain spirituel avec ton peuple. Nous te supplions, par Jésus, de nous assister, cher Seigneur. Donne-nous la présence de ton Esprit Saint afin qu'en ouvrant la bouche, ton Esprit lui-même, capable de prendre un contrôle sans que nous disions et porter une paume de guérison à un homme qui a assoiffé de la vérité. Avec petit tuyau à travers le monde, avec petit tuyau dans le district de Gethsemane, avec le pasteur du district, avec toute équipe louange, équipe technologie, équipe sonorisation, équipe musicien, avec tout le monde qui prend une part active dans le service, nous demandons une bénédiction spéciale pour eux. Fais-nous cadeau de l'Esprit Saint encore une fois, avec nous, prends contrôle, glorifie le nom de Jésus, servis avec nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Selon Alfredo, et comme nous te disons, eh bien, à Soya, nous pourrons parler un peu du retour de Jésus. Selon mon cherche qui fait, eh bien, gagner à peu près 1500 références dans le Nouveau Testament seulement qui soit parler du retour de Jésus ou bien qui liait une façon quelconque eh bien, au retour de Jésus. Ça veut dire que yon sous chaque 25 versets qui dans la Bible fait référence au retour de Jésus. Donc, si c'est un sujet qui a répété dans la Bible, ça fait nous comprendre que c'est un sujet qui a une importance capitale. Ça fait nous comprendre que ce n'est pas un sujet pour nous négliger. Hier soir, nous avons parlé de signes, nous avons dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas porter attention à signes, et puis qui ont dévié, et puis nous avons parlé d'un exemple comment moi j'ai perdu sur highway, et puis je n'ai pas porté attention à signes, et puis j'ai perdu. Et puis ça a coûté beaucoup parce que je n'ai pas content. Et il y a son te dit qu'il faut porter attention à Sio et Sio qui pour faut comprendre que Jésus est proche et à la porte. Et bien à Soya, nous pourrons parler qu'il y a principalement du retour de Jésus. Pour qui ça Jésus a retourné. Pour qui ça Jésus a retourné. Dans Jean 14 verset 2, avant que Jésus monte au ciel, il fait déclaration ça aux disciples. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et puis il continue, il dit, je vais vous préparer une place. Jean 14, verset 2. Donc, le premier bagage que nous réalisons, c'est Jésus déclarait qu'il y a plusieurs demeures là, quand il parle. Et puis Kounia, il dit qu'il pourrait préparer une place. Eh bien, la notion de préparer une place que nous jouons, c'est une expression, eh bien, ancien hébreu, que nous avons utilisé pour décrire un mariage. Un jeune garçon, dans le système hébreu, qui pourra le marier, eh bien, ça que le fait tout d'abord, eh bien, avant d'aller chercher fiancé là, pour le marier avec lui, eh bien, lui, la caille papa lui préparer une chambre pour lune de miel.
Lui préparer, ensuite l'enfant préparer, c'est qu'on y a là le chercher, eh bien, fiancé pour qu'il mène la caille papa. Lorsque Jésus fait déclaration ça, eh bien, tout le monde rapidement comprend que dans la maison de mon père, eh bien, il y a beaucoup de chambres de lune de miel. Jésus-Christ monte dans le ciel là, eh bien, lorsque, avant de monter dans le ciel là, il dit bagaille ça à la zone et Scipio, ils comprennent rapidement que Jésus a parlé de un mariage, mais naturellement, pas au sens littéral. Mais Jésus dit que l'a préparé des chambres de lune de miel pour et pour fiancer que nous-mêmes nous y est. Est-ce qu'on est capable de comprendre qu'après tout travail ça, eh bien Jésus, ou bien le monde qui finit préparer chambre lune de miel là, est-ce que tu es capable d'oublier le monde ça? Est-ce que Jésus est capable d'oublier le peuple pour qui l'a préparé en chambre de lune de miel? Bien sûr, ça pas possible. C'est ça que lui dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Yo marié, eh bien, là cherché épouse li parce que li voulait pour lui ensemble avec épouse li. Jésus dit lui-même tout la retourner parce que Jésus voulait pour lui avec nous et Jésus voulait pour nous avec lui. Il voulait pour lui habiter avec nous. Et comme ça, chers amis, nous venons comprendre que Jésus a une bonne raison qui fait qu'il veut retourner. Ce n'est pas la première fois que Jésus fait une déclaration ça. Nous jouons en déclaration, à peu près tant que ça, dans Exode chapitre 25, et je crois le verset 8, quand il dit, vous me ferez un sanctuaire. Mon sanctuaire là, c'est mon tabernacle. Ou fait un lieu de demeure, et puis moi-même, je viens habiter avec vous. Donc, c'était toujours intention, mon Dieu, pour habiter avec les hommes. Et pour Elia, Jésus, lorsque là, pour retourner dans le ciel là, il dit promesse, ça là toujours. Je retourne, je viens pour nous, avec moi, quel que soit côté de nous voilà. Ça, c'est une raison, c'est la meilleure raison pour le retour de Jésus. Mais lorsque Jésus retourne, comment la vie? Est-ce que c'est le même seul qui a retourné? Non, Matthieu 25, verset 31. Le Matthieu 25, verset 31, nous jouons une déclaration ça. Jésus qui a parlé, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Jésus-Christ dit que il n'est pas retourné lui-même seul. Lorsque l'a retourné avec des anges, avec tous les anges, et l'a retourné dans sa gloire, sur le trône de sa gloire. C'est ma frère, moi, je dis que oui, Jésus voulait pour nous connaître que nous sommes des gens spéciales. Nous sommes monde que le gars dans le cœur. Nous sommes monde que le gars sentiment qui est plus fort pour nous parce que il remet nous. Maintenant, lorsque Jésus a fini, est-ce que nous connaissons, eh bien, que, comme nous disons, que il n'est pas fini seul, il a fini avec les anges. Mais combien, avec combien d'anges il a fini? Voilà, selon le livre Daniel, chapitre 7, verset 10, et Apocalypse 5, verset 11, il semble qu'il y ait des milliers et des milliers et des milliers d'anges. Parce que, Daniel dit nous, mille milliers le servaient. Et 10 000 millions. Donc, ça va, frère, vous comprenez bien. Combien c'est une possession extraordinaire que l'univers pas jamais témoin lorsque Jésus a fini, lui pour aller un cortège extraordinaire avec lui, mais il y a un cortège d'anges qui pour aller avec lui. Il a accompagné lorsque l'a retourné. C'est pas un bagage comme si vous pouvez compter 1, 2, 3. Non, 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 non. Il n'y a rien pour le faire avec mathématiques. C'est le ciel entier qui a fini, excepté le Père qui va finir. Mais Jésus a fini pour qu'il vienne chercher nous, pour lui introduire nous par le Père. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent sur la terre lorsque Jésus retourne? Voilà, selon la Bible, oui. Selon la Bible, oui. Jésus déclaré dans l'Apocalypse, Matthieu 24, verset 30 d'abord, lui dit, et Jésus dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens sur la terre lorsque Jésus a fini. Et plus loin, dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, l'apôtre Jean déclarait, et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Donc, est-ce qu'il y a des gens sur la terre? Oui, il y a des gens. Il y a des gens vivants sur la terre. Il y a des gens qui pourraient voir Jésus l'a fini. Il y a des gens qui ont lamenté. Il y a des gens qui ont réjoui également. C'est un événement, une scène grandiose, un bagage incomparable, et pour certains mondes, c'est célébration pour gagner, c'est fait pour le
l'autre monde pour gagner graissement dedans. Mais bien aimé dans le Seigneur, chers amis, ou même qui sur YouTube capable, ou même qui sur Facebook capable, ou même qui peut-être qui sont ligne de prière capable, ou qui est en Zoom, I don't know wherever you are, mais assoyez moi là pour me dire que ou pas capable pas là. Ou pas capable pas là. Je suis content de le monde a fait programme. Je dis, ah, je suis pas capable là. Parce que c'est pas un bagage extraordinaire. Et vraiment, parfois, pour aller, mon cher Simbat Lamta, regret pour époque ça. Mais bon, pour événement ça, pas un hit pour même au nom de Jésus, forme là. Amen. Et vous voulez dire tout, au nom de Jésus, ou capable là, s'il vous plaît. Et puisque l'invitation lancée à vous, Jésus qui est une bienvenue spéciale pour vous. Amen. Si vous répondez par l'affirmative, si vous répondez, vous dites oui. If you say yes, Lord, I accept you within my heart, God would say to you, welcome to my house. Or welcome to my home. Maintenant, après-midi, je voulais rappeler de ça. Maintenant, lorsque Jésus vient, comme nous dit pour les célébrations, pour les fêtes, quand sera-t-il, eh bien, des méchants lorsque Jésus est donné? Parce que, comme on dit, il y a plusieurs catégories. Au moins, nous connaissons deux. Mais, méchants, c'est une catégorie. Oui, lorsque Jésus est ressuscité dans les morts, il y a un ange qui est venu rouler un wash qui est devant le cimetière côté de l'air pour être capable de sortir. La Bible déclare nous que la gloire de Green en chat fait tomber plusieurs soldats courageux, gros soldats romains. Donc, ange, là, pour dire rien. Apparaissent si seulement que soldats n'est de tomber et la Bible dit comme mort. Matthieu 28, verset 2 à 4. Pensez bien. Des milliards d'anges qu'on y a cap vini sur la terre avec Jésus. En fait, cap vini sur les nuées avec Jésus. Si un seul grain fait plusieurs soldats, braves soldats romains tomber, qu'en est-il des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui pourraient remplir l'espace? Hein? Qui pourraient remplir un ange? Tu es dans une seule nuit, je crois que c'est 145 000 hommes. Qu'on a oublié des milliards d'anges qui pourraient remplir l'espace, qui ont fini chercher petit bon Dieu. Ou pas Kabbalah. Yes, ou pas Kabbalah. Yes. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Mais qui ça, l'apôtre Paul déclarait. L'apôtre Paul déclarait que, eh bien, lorsque Jésus finit, et l'Ivoire détruit méchant, eh bien, par le souffle de sa bouche. L'Ivoire détruit méchant par quoi? Par le souffle de sa bouche. Méchant a campé sous deux pieds, mais lorsque Jésus parlait, eh bien, il y a merde. Il y a quoi fond dans le caoutchouc dans le feu. Qui sera passé sur la terre de ça? Apocalypse 6, à partir du verset 13. Apocalypse 6 à partir du verset 13. Sœur après moi, c'est un bagage extraordinaire. Et you know what? Le papa est comme ça, moi fier d'être adventiste. Parce que nous avons une croyance qui est claire. Nous avons une croyance qui est claire, qui est harmonisée avec la parole de Dieu. Nous avons une croyance qui est biblique. Mais comme bagage pour aller, Apocalypse 6, verset 13. Il déclarait. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Comprenez bien, lorsque Jésus a fini, pour gagner un désordre, pour gagner un chaos, pour gagner un tremblement de terre, pour une montagne pour être déplacée côté haut, roche pour être déplacée côté haut, la mer pour aller exciter, tout bagaille sur la terre pour aller déranger à cause de ça, à cause de la présence du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. La vie, chers frères, la vie, même la terre a saisi, même la terre a tremblé, le ciel a déplacé. C'est ça la Bible dit nous. Dans le verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. C'est moi, frère, moi. Oh! Un gros général de l'armée américaine, gros général de l'armée de la Russie, gros chef militaire, gros monsieur Master Premio, n'est-ce qu'il faut qu'on fasse un nucléaire. Lorsque vous entendez que bagage s'est privé, la Bible dit qu'il a couru à cacher dans le fond de la roche, dans la caverne, parce que vous ne pouvez pas camper. Qui ça vous a
Paul dit dans verset 16, il déclare, et il disait aux montagnes quoi? Et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Apocalypse 6, verset, à partir de verset 13 à 16. C'est moi avec frère moi. Imaginez-vous, on renève avec un pile d'étoile sous les épaules li, et fait pas qu'on est comme il est avec une bonne médaille dans tout l'estomac li, et puis tout le monde depuis, ouais, c'est ça qui a charlé, général ceci, général cela, m'a connu, ou bien son excellence soit devant. Et puis où il y a un seul jour, tout gros monsieur ça, tout gros général ça, tout gros scientiste ça, tout gros cerveau ça, de voir courir devant qui? Devant la colère de un mouton. Mouton pour le fâcher. L'agneau a pour le fâcher, l'agneau a pour le mettre dans la colère. Oui, il était fini dans mon petit bébé, il était maltraité, il était soufflé, il était craché en figure, il était accusé, il était persécuté. Oui, il était menti sur lui, il était doux, il ne va dire rien. C'est comme un mouton veut le ramener. Mais cette fois-ci, mouton ça va retourner, mais non pas comme étant une victime, non pas comme étant un agneau, mais cette fois-ci, l'agneau ça, il pourra le mauvais. La terre pourra le trembler. Montagne pour être saisie, la main pour être agitée, les grands, les chefs militaires, les scientifiques, esclaves, libres, blancs, noirs, haïtiens, allemands, jamaïcains, américains, tout le monde qui par contre Jésus, ils pourront courir pour aller demander montagne avec rocher, service, couvrez-nous. Parce que la question à poser c'est qui est ce monde qui est capable de subsister devant? Alors que les méchants ont fait cru ça. Alors que les gens qui m'ont donné Jésus a demandé montagne pour aider eux. Les gens qui m'ont donné Jésus a demandé rocher pour aider eux. Les gens qui m'ont donné Jésus a pris la fuite. Mais qu'en est-il des élus? Ésaïe 25, verset 9. Ésaïe 25, verset 9. C'est vrai, frère, moi. Je dis, aujourd'hui est le jour de grâce. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, vous avez une invitation. Répondez par l'affirmative. Dis, Seigneur, oui, vous acceptez. C'est vrai, il y a des problèmes mentaux. Parce que nous-mêmes, les chrétiens, lorsque nous parlons de Jésus, c'est pas faute nous. Nous, nous ne sommes pas capables de gagner. Parce que le nom de Jésus est la puissance. Le nom de Jésus est la paix. Le nom de Jésus est la victoire. Le nom de Jésus ouvre porte l'enfer. Il peut nous passer en forme pour qu'on ne parle pas. Le nom de Jésus ouvre porte prison. Le nom de Jésus change la situation. Le nom de Jésus change tout le monde vers circonstances en bien. Parce qu'il a dit, toute chose concourt au bien de ce qui est Dieu. Assoyez-vous là, nous disons. On peut faire Jésus dans la vie. Vous pas comme ça. On besoin. Ou besoin de Jésus. Parce que Jésus voulait autour. Jésus aimait. C'est ça qui fait que les mots pour sur la croix et femme du calvaire. Dans Ésaïe 25, verset 9, nous disons, il dit, en ce jour, l'on dira. Tenez bien, oui. Maintenant, qu'il y a un bord, une équipe à 10 montagnes, tombez sous nous, rocher, crachez-nous, parce que mes moutons sont fâchés. Oui, nous on avait toutes armes nucléaires impuissantes, toutes mitrailles impuissantes, toutes. Que faut-il au roi de la chair? Je ne pas les âmes. Toutes âmes, il y a impuissant devant la face du Fils de Dieu. Et pendant que nous avons crié à gauche, à droite, il y a un monde qui est en équipe qui va dire, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. 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 Il y a deux groupes au moins que nous connaissons. Il y a un groupe qui peut aller dans moi, il y a un groupe qui peut le cacher, parce qu'on y a un maître qui est venu. Et pour avoir un autre groupe qui apparaît avec deux bras ouverts, qui va dire, voici c'est l'Éternel notre Dieu. Mes soeurs et mes frères, assoyez à prendre décision. Amen. L'évangile a prêché depuis quelques jours déjà. L'évangile a prêché, vous parlez, vous attendez. Qui excuse vous voyez pour le ciel lorsque vous êtes? Qu'est-ce qu'on voit dire en jugement? Selon Romains chapitre 8, verset 1, il est dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on appelle soit c'était Jésus-Christ à soi là, eh bien qu'on y a passé de la mort à la vie. Amen. Et au jour de sa
sont venus, ou pas le monde qui va dire, voici, c'est l'Éternel, notre Dieu, en qui nous avons confiance. Qui sera passé à Moyo? Qui sera passé à Moyo? Mounsayo qui est mort dans Jésus-Christ. Ou pas qui pourra le passer? Jésus-Christ dit, eh bien, lorsque le finit, mais qui ça va dire? Il dit que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. C'est Christ qui a parlé là. Lorsque le Fils de l'homme viendra, et puis déclare que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et où même, pour qu'ils soient ressuscités, après au moins deux résurrections que nous connaissons. Yes. Et dans l'une là, Christ déclare ceux qui auront fait le bien. Bon, moi, dis, ceux qui auront fait le bien, ça y est, ils sont les chrétiens. Amen. Ceux qui auront fait le bien, ça y est, c'est le monde qui a accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Yes. Ceux qui auront fait le bien, ça y est, c'est le monde ça y est, qui a accepté pour te maltraiter, pour te parler mal, pour te persécuter, pour te perdre du travail. Ils ont accepté pour souffrir pour Jésus. Amen. Et seront comptés parmi ceux qui auront fait le bien. Et qui ont l'autre équipe qui pourra ressusciter pour le jugement. Jean 5, versets 28 et 29. Oui, ce ma foi, moi, pourra gagner plusieurs résurrections. Apocalypse dit comme ça. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Là, Jean déclarait, Jésus-Christ déclarait, ok, et dans Jean, chapitre 5, verset 28, que gagner pour ressusciter, et bien ceux qui auront fait le bien pour la vie éternelle. Et bien, Mounsayo, ils auront part à la première résurrection. Ils n'ont pas à la première résurrection. Lorsque vous continuez, il déclare, et les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Apocalypse 20, versets 5 et 6. Comprenez bien? Donc, on y a, nous comprenons bagaille. Il y a au moins deux résurrections. Il y a la première résurrection et il y a une deuxième résurrection. À la première résurrection, ceux qui ont fait le bien, les morts en Christ, ils ont ressuscité premièrement. Ensuite, Jean déclarait, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ça fait comprendre que l'autre monde qui n'est pas ressuscité, l'autre monde qui n'est pas ressuscité, il a prêté dans le tombeau pour l'autre 1000 ans encore. Donc nous venons comment courir. Il y a une question de mon mourir dans le ciel, là, pas que ça. Excusez-moi, je vais vous voir ça là-dedans tout parce que je souhaitais que le pasteur ait une chance pour me prêcher sur l'état des morts. Je suis content pour me prêcher sur l'état des morts. Donc, question de mon avis, on s'est fait un jour ici, ouvrir le bois, il n'est pas biblique. Non. Parce que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ça, c'est la première résurrection. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Sœur moi avec frère moi yo. Oui, a gagné 1000 ans qui a séparé au moins deux résurrections. Mais et qui ça va passer l'autre monde qui te fait bien yo? Qui ça qui pourra passer l'autre monde qui te fait bien yo? Parce que ça tout, il faut que nous gardions. En parlant de ce jour, là on peut le déclarer. D'abord, pour déclarer, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 53, il dit, nous serons changés lorsque Jésus finit. Lorsque Jésus paraît, et puis à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il déclare que les morts en Christ ressusciteront. Mais ça est intéressant, il dit que nous serons changés. Ensuite, il explique encore comment nous allons changer. Il dit car il faut que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtent l'immortalité. 1 Corinthiens 15, verset 53. Donc, qu'on y a là, question de mon immortel, paguer sa pièce. Parer ça, il n'est pas biblique. Ça, c'est une doctrine satanique que lié. L'âme n'est pas immortelle. C'est Christ seulement qui est immortel et c'est Christ qui a vint bail l'immortalité lorsqu'elle vient. Yes,
Jésus a fini pour que nous ayons peuple l'immortalité. Non, l'autre passage biblique encore, Paul décrit autour de Christ. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Philippiens 3, verset 21. Somme avec frère moi. Si je vous dis à vous tension, priez mon Dieu. Si je vous dis à vous rhumatisme, priez mon Dieu. Si je vous dis à vous taille fait mal, priez mon Dieu. Si je vous dis à vous porter vert, priez mon Dieu. Si je vous dis à vous diabétique, priez mon Dieu. Parce que quand l'heure est arrivée, vous voyez mon corps, tant que Jésus. Vous voyez mon corps incorruptible, immortel, glorieux, éternel à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Assoyez-moi là, me dit, il fait bon pour servir Jésus. On a besoin de Jésus dans la vie. Quel que soit valeur corps ou que l'on compte en bas, quel que soit relation qu'on gagne, quel que soit réputation qu'on gagne, quel que soit position occupée, sans Jésus, ou pas rien. Ou pas rien. Après que Jésus est ressuscité, selon ce que nous lisons Luc 24, verset 39 à 42, eh bien, Jésus-Christ est un corps physique. Nous-mêmes tous, nous parlons un corps physique. Mais un corps incorruptible. Un corps immortel. Un corps glorieux. Son corps consacré que nous pouvons gagner. Et puis nous parlons en bonne santé. Amen. Pour tout temps. Parce que pas bien gloire dans les yeux encore. Qui ça peut arriver après transformation ça. Lorsque nous sortons en bas de terre, mort en Christ, nous transformons, nous venons un corps incorruptible, un corps glorieux, un corps immortel, et l'autre saint qui va mourir, nous même tout, nous changer tout, même si avec nous, eh bien, comme ça qui va arriver, en nous voyant Dieu, nous courons là, l'an 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, Paul déclarait, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons avec lui, ou bien nous serons pour toujours avec le Seigneur. Parce que nous voyons un corps, enfin, je dis en Haïti, qui se ressemble, s'assemble. Nous voyons un corps qui semblait avec pas Jésus, et nous, toutes les seigneurs, nous voyons le même corps, nous voyons rassembler ensemble, nous voyons les réunir, et nous voyons les will be cut off. Alléluia! We'll be cut off on the crowd, meeting our Lord and Savior forever and ever. Pas jamais de séparation. Ou qu'on prenne le dire là, ou qu'on nous remet en pile, il mourit. Grand dame qui perd du petit prix dans machine à l'église, lui qui était petite, la famille puis à l'église et la travail et puis famille à l'église et puis il est entré l'église et puis il oublie petit petit par la machine là. Et puis il ferme les portes, il ferme les portes machine là. Petit petit là dedans le haut du niveau petit petit là il est venu petit petit là en position il a bataille pour qu'il ouvre. Petit petit là crié en dedans. Dame, ça n'est pas jamais normal encore. Non. Je ne parle pas de lui facile. Et puis chaque temps, je parle avec lui, je me rappelle, je me dis qu'on l'a privé. Très sûr, pour ça, je dis ça, qu'on joue quand fini. Je ne chante pas quand chante. Qu'on joue quand fini. Frère musicien, qu'on joue quand fini. Non, moi je veux me mettre de parole chanter. Non, parole chanter. Pas de barrasser là. C'est prêché pour nous prêcher. Bonjour à fini. Côté, eh bien, ou non avec moi, l'ancien Paul. Nous allons tous séparer encore. Pas de chronologie encore. Pas de douleur encore. Pas de pharmacie encore. Pas de la police encore parce que pas de voler. Et naturellement, pas de même juge ni avocat parce que pas de voler encore. Tout va voler, on va fini. Seul moi avec frère moi, assoyez moi là, me dis, ou besoin pour une décision. Yes. Pour une décision avant trop tard. Parce que quand l'on a besoin de Jésus, ou capable de venir. Mais assoyez là, ou capable de venir. Là, vous pouvez déclarer, oui, nous pouvons avec lui sur les airs. Et le Seigneur nous va bien me séparer avec lui encore. Jésus-Christ déclaré à ses disciples en allant au ciel, il dit que nous pouvons préparer en place. Ensuite, il promet que je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Donc, le but même du retour de Jésus, c'est pour qu'on prenne nous pour nous aller avec lui. Mais il va prendre nous pendant que nous dommager. Il va prendre nous pendant que nous avons coronavirus. Il va prendre nous pendant que nous avons péché. Il va changer pour nous. Il va transformer nous. Nous allons monter et nous allons avec lui pour le temps et pour l'éternité. Amen. Chers amis,
comme on a fait connaître lorsque Jésus retournait. En fait, qui ça nous connaît, excusez-nous, lorsque Jésus retournait. Mais comment ça dit que pour, parce que quand tout le monde nous connaît aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit que Jésus a venu dans la terre. Okay? Jésus est déclaré dans Matthieu, chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour ou est de l'heure, personne ne le sait. Et puisque je ne sais ni jour ni l'heure, qui sait ce que je peux faire? Moi, je suis doué pour me veiller. Il y a soit me dire ça, c'est pour me ouvrir, c'est pour me vertir, c'est pour m'alerter, c'est pour me prier, c'est pour m'étudier, c'est pour me faire visite, c'est pour m'étudier la parole de Dieu, c'est pour m'enrayer de prière, c'est pour m'inviter mon dans de prière, c'est pour m'étudier le monde, c'est pour me téléphoner le monde, c'est pour m'occuper pour le Seigneur, puisque je ne sais pas qui l'heure là pour tout, retourner, il faut me veiller, et ça fait des dix, veiller. C'est ça que hier. Il y a soit tout contexte de l'étude, c'était veiller. Oh, je comprends pendant l'année 2021 qu'on avait retiré attention sur Jésus. Mais bon, mon Dieu, c'est le ça pour te que Jésus nous fixer sur Jésus. Amen. Yes, sir. Yes. Parce que c'est le bagage chaud, c'est le ça pour nous côté de camper. À ce moment, moi, je voulais dire que, eh bien, qu'on est le Jésus à finir pas trop important que mettons prêt pour le Jésus retourner. Parce que vous pouvez connaître qui l'a abandonné et vous pas prêt. Donc, à ce moment, vous invitez pour prêt. Et pour vrai, c'est à peine fait à Rio, c'est l'évangile de Rio, c'est ça qui met au prêt pour le retour de Jésus. Jésus-Christ déclaré, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Qui chose ça? Il y a soir, nous débattons plusieurs bagailles pour suivre. Nous déroulons les signes des temps. Nous détaillons pour nous débattons avec exactitude. Nous débattons aller. Nous débattons ça va passer. Ça, on sait signe. Yo. Et pour le qui l'a suivi en soi, eh bien, Christ déclare que l'homme est signe, c'est en privé. Sachez bien que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Le jour du salut est aujourd'hui. C'est courir là, c'est pas demain, ou par contre qui ça demain à côté, ou par contre qui ça plus tard à côté, comme on dit dans le message, mais ça va matin, ou pas même qu'on est soit dormi là, comme nous, à soya. Par contre, c'est pas pour venir comme à soya. But guess what? I better be ready. And I am ready. Ok? Moi, prêt, si je dois m'aller, parce que Christ m'a dit pour prêt. C'est moi. Frère, moi, membre d'église, mes amis, chers amis, ou même qui sont sur YouTube ou sur Facebook, question que pour assurer. Lorsque Jésus retourne, pour aller plusieurs groupes, dans quel groupe vous bien? Dans quel groupe vous bien? Ou pour aller dire que vous êtes pasteur d'église? Ou pour aller dire que vous êtes directrice de l'école de sabbat? Ou pour aller dire que c'est vous-même qui avez conduit le département ministère personnel? Ou pour aller dire que vous êtes 50 ans adventiste? Mais qui ça, moi, je vais dire? Comment relation y avec Jésus? Parce que ce n'est pas position. Ce n'est pas type. Ce n'est pas nombre d'années. C'est comment relation y avec Jésus. Dans Matthieu 24, verset 33, Jésus-Christ fait une déclaration que moi estime qui. En fait, c'est dans Matthieu 7, verset 23. Matthieu 7, verset 23. C'est une déclaration qui brûlante. Et on ne peut jamais espérer que ça saute dans le bout de Jésus. Lorsque un pile mon appui dans pied, la pile dit que oui, mais ça me fait pour, mais ça me fait pour. Nous, on est déjà. Jésus qui m'a dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Iniquité, c'est un péché qu'on connaît. Et vous ajoutez sous lui, ou Cheryl, ou Kemel, ou c'est un monde qui a commis iniquité. Donc ce n'est pas mon caprice, non? Parce que il y a des gens qui tombent dans le péché, mais la pluie telle veut sortir, il n'y a pas avec le péché, il veut mener en vie chrétienne. Mais c'est un monde qui a commis le péché, il connaît ses péchés, il continuellement excuse le péché. Christ pour dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pour Jésus, il a dit, une de nous, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Son mot qui dit, moi ça tellement dur, mais son mot qui va résonner jusque dans l'éternité. Ou pas là, si Christ à sa venue, il dit que pas connaît, eh bien, le salut vient trop tard.
Aujourd'hui, la Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de la grâce. Ou attendez sur YouTube, ou attendez sur Facebook. Peut-être on dit Amen. Peut-être on dit Alléluia. Mais ça n'a pas fait que Jésus saute. Parce que l'on dit Amen, c'est pour prendre décision. L'on dit Alléluia, c'est pour le camper pour Jésus. C'est pour dire Satan, ou dire de monde, je dis, je prends décision pour Jésus. Le 30 après baptême, sans prétendre. Dis-moi même tout, je vais participer, je vais me marier avec Jésus dans les eaux du baptême. Je vais venir dans l'autre monde, parce que l'on sort dans l'eau, ça, là, vous pouvez déclarer, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont venues de nouvelles. Jésus a brûlé, qui sans prétendre. Qui sont à prétendre? Ou à prétendre ou prêt? Ou pas besoin prêt? Ou pas besoin prêt? Si vous êtes prétendre pour me prêt, pour me faire baptiser, vous n'avez pas besoin prêt. M'entrez et puis Jésus mange. J'en prie. Et guess what? Jésus, c'est la mange toujours. Parce que nous ne pouvons pas prêt pour le paradis. Jésus a mangé pour le retourner. Donc, les gens qui vont aller, c'est les gens que Jésus a travaillé dans eux. Pas dit que vous êtes prêt parce que vous êtes trop prêt. C'est Satan qui a fait penser au bon prêt. Mais vous prêt? D'abord, Jésus est venu pour les pécheurs. C'est pas les pécheurs, si c'est pécheurs, vous prêt? Vous prêt? Vous prêt? Jésus, il dit, à un autre groupe de monde, dans verset 34. Il dit, alors, Jésus a parlé, il dit, alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez! Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Est-ce que vous parlez maintenant des sons à nos oreilles? Le Seigneur de toute la terre, le Fils unique de l'Éternel des armées, le bien-aimé du ciel, pour lui-même, pour la campagne pour la dire, venez et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Est-ce que vous parlez maintenant? Assoyez-vous, faites appel à vous. C'est pour venir. Pas quitter Marou ou Kébéo. Pas quitter Madame ou Kébéo. Pas quitter Zambi Kébéo. Pas quitter Circonstance Kébéo. Pas quitter mon abdi ou Kébéo. Pas quitter mon abdi ou bagay. Jésus après l'eau. C'est pour dire à voir l'ennemi arrière de moi, Satan. Et puis vive Jésus. Amen. Vive Jésus. Pour aller en deux groupes. Yum kam à droite. Yum kam à gauche. Ça cap à gauche, Christ pour dire, on va jamais te connaître parce que tu as pris plaisir dans le péché. C'est où tu es dans l'église. Parce que le contexte a montré que c'est des membres d'église. Parce que c'est mon docteur qui fait visite. C'est mon docteur qui fait manger. C'est mon docteur qui t'a sauté. C'est mon docteur qui t'a secoué. On va dire, mais c'est le nom, nous devons guérir maladie. Mais c'est là non, nous avons fait tout ça. C'est chrétien, oui. Et parmi les chrétiens, c'est pasteur, c'est ancien. Parmi les chrétiens, c'est diacre. Parmi les chrétiens, c'est diaconesse. C'est monde ça. Et puis Christ Paul dit, vous commettiez l'iniquité. Vous étiez consommé. Pas de jambes de connaître. Et vous causez pas de jambes de connaître. Pourquoi? Pour voir la misère passer sur la terre. Ou subir de discrimination. Vous révoquez parce que vous avez un accent. Ils regardent mal parce que n'ont pas pointu, ils n'ont pas bleu. Leur connaissance ici, ils prient pour voir la misère ou nous passer sur la terre. Pour des jours, ça arrive pour Christ dit que je ne vais pas te connaître. Et puis, nous sommes dans l'église. Mais il y a un autre. Et ces mots, ça, nous t'attendons pour vous-même avec moi. Lorsque Christ vient, il va dire venez. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et à Monsaro, Sœur Paul, à Monsaro, Jésus va dire, bienvenue à la maison. Amen. Que bon Dieu capable de souhaiter avec moi, en ce grand jour, bienvenue à la maison de notre Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Appel ça que l'a fait nous, c'est parce que l'Irémen est tout bon. Amen. Donc nous souhaitons que tout le monde détende
et qui sont capables de prendre conscience et faire un choix pour la gloire de Dieu et pour le salut de leur âme. Nous, quand on a dépassé tant ça avec nous, ou pas perdu tant ça, l'Éternel prend note. Nous, après des fins dans le service à soi, nous pouvons chanter son chant qui fait appel à tout le monde qui désire entendre l'Éternel. L'Éternel a fait appel à eux-mêmes. Ouais. C'est le numéro 260. Les doux, voici Jésus, notre Sauveur. Voici Jésus, notre Sauveur. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre le porte. Si moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix tendre et fonde. Merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte. Chers frères, encore une fois, nous voulons dire merci pour vous-même qui avez regardé sur YouTube ou bien sur Facebook. Chers amis, nous apprécions ce moment ça que vous avez mis sur côté pour passer avec nous. Nous souhaitons que vous ayez quelque chose de nouveau. Nous souhaitons que à soyez le Seigneur te touche le cœur et vous te dire pour mettre au prêt parce que en ce grand jour, vous avez beaucoup de cris, grincement de dents, mais vous avez également beaucoup de rire et de célébration. Nous souhaitons que vous prenez part. Nous souhaitons que vous rassemblez avec le monde qui pourra jouir les béatitudes sans fin. Décision, c'est à soi. Nous avons gagné une cérémonie de baptême. Ça va demain à 4:30. Nous invitons à prendre décision. Nous invitons. Nous avons chanté. Nous avons célébré. Nous avons content. Le ciel également pourra célébrer lorsqu'on prend décision. Ça. Parce qu'il y a une grosse fête dans le ciel là pour le monde qui vient de Jésus. Notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus, nous te prions, cher Seigneur, de nous aider à prendre la décision nécessaire pour marcher avec toi. C'est vrai, il n'est pas facile, beaucoup de voix nous parlent, il y a des gens qui ont essayé de convaincre nous pour nous faire. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs, l'idée paraît, des problèmes qui surgissent. Mais nous comprenons également, cher Seigneur, que c'est toi qui as la solution de tout problème. Donc, quel que soit ça que l'il y a, qui t'a imposé de nous avancer, nous voulons remettre nous dans le monde. Et la demande va toucher que petit tuyau, capitaine de nous, les membres d'église, ainsi que les visiteurs, même ça avec nous, pour nous capables remettre nous dans le monde, sachant que toi, cher Seigneur, tu es le sauveur invincible, tu es le sauveur incomparable, c'est ou même ou pas jamais perdu aucune bataille. Nous nous remettons entre tes bras. Pardonne nos péchés, bénis-nous. Et accorde-nous l'onction de ta paix et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.